candidature ou à préparer là pour 2022. Arrêtez, moi ça qu'en est-il qu'en est-il de votre fils? Qu'en est-il de votre fils Nicolas Duvalier, madame Michèle Bennett? Mon fils ne m'a pas confidence. Mon fils a 34 ans, Wendy. Bientôt, je crois, 35 en janvier. Est-ce que d'après est-ce que ou presse il t'a décidé de participer dans la bah, élection politique de Haïti ou pour supporter? Wendy, mon fils est adulte. Je l'ai dit dans un texte, je crois. Jean-Claude et moi, on a donné une certaine éducation et des principes de base à nos enfants. Mais leur décision a toujours été les leurs. Je ne dis jamais à mes enfants ce qu'ils doivent faire. Si Nicolas me demande un conseil, je le lui donne. S'il ne me sollicite pas, je ne me permets pas de lui donner des conseils. Il est adulte. C'est à lui d'assumer sa vie d'homme. Et c'est à lui de décider. Et d'ailleurs, je le lui ai déjà dit. C'est pas parce que son grand-père a été président, que son père a été président, c'est pas héréditaire que lui, il pense qu'il doit l'être aussi. Il faut le mériter, il faut le vouloir, il faut aimer Haïti, il faut aimer le peuple haïtien. S'il n'est pas pareil, que le reste est côté lié. Madame Michel. Mais le jour, s'il est prêt un jour et qu'il me dit, maman, je veux me lancer dans la politique, je serai là pour lui, pourquoi pas. Si mon fils, oui, je serai là pour lui. Madame, personnellement, madame, moi, je n'ai pas d'ambition politique, je vous rassure. Nous pas le fini. Dernière question. Et pendant tant qu'on t'est fait, mon côté Mahou, Jean-Claude Duvalier, et en devant parler dans le pays d'Haïti, et bon, dans le tout le monde, c'était un pouvoir autoritaire. Est-ce qu'on donne un bagaille comme si pouvoir ça a été fait pendant qu'on était là, sous gouvernance Mahou, comme si on était satisfait? Ça, c'est premier, qu'on était extrêmement content. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'on a, puisque son gouvernement autoritaire, pas. C'est exactement là où je voulais dire. Comme son gouvernement de dictature que le TIE, autoritaire, etc. Est-ce qu'on a dit nous, non seulement au bail qui te fait plaisir, mais au crime qui t'est fait sous gouvernement ça, qui t'est fait mal et qu'on t'a dit tout, ou comme si vous t'es sauté dans vous, ou vous qui t'es mouru, ou vous qui t'es tombé à couteau, t'es tiré, ou t'es tué, m'a connu. Wendy, qui t'es fait mal. Wendy, mais pas de président. L'homme mort, c'est dame. Était très puissant. Président déjà depuis 9 ans. Je n'ai été que première dame. Je me témoins en rien. Ou t'es au courant dans cette série de bagailles qui t'a passé. Il y a des bagailles qu'on a passé. Il y a de l'eau au courant après. Donc, pendant le mal est déjà fait, mais est-ce que. Pour moi. Oui, allez-y, Wendy. Pendant que le mal a été déjà fait, mais est-ce que ça. Ou pas du tout. Si tu es comme ça, tu as évité. Je suis une mère de famille. Tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de ce monsieur qui a été tué aux États-Unis. Je crois qu'il est haïtien. Mm-hmm. Mais ça m'a fait de la peine. On peut comprendre ça. La mort de quelqu'un ne peut laisser qui que ce soit indifférent. Moi, je l'aime. Donc, ça veut dire, d'après son dîme là, dans ces de crimes qui étaient faits pendant qu'on était première dame, que franchement, ils font mal. Moi-même, pas je me dis. Non, c'est une question que vous posez. Wendy, quel que soit le monde qui mourir, ça fait la peine. Très bien. Ok. Donc, alors, s'il y a eu des bavures sous le gouvernement de Jean-Claude, je le regrette sincèrement. Pourquoi vous mettez le si, Madame Bennett, le si? Mais pourquoi si je ne peux pas mettre le si sous le major moyen et moi-même? Mais on t'est informé. Non, Wendy, arrêtez que me t'informer, ça me t'est, c'est madame la présidente,
Jean-Claude Duvalier était au pouvoir depuis 9 ans, l'homme palette. Ce n'est pas pour nous attribuer de pouvoir que nous n'avons pas gagné. Mais est-ce que ou pas de guerre? Alors, insistez toujours. Non, c'est pour une question de insister. N'a pas cherché quoi qu'il y en a avant aller. Est-ce que ou pas de guerre certaines, parce que yo dit, pas de confette, mais yo dit une côté très puissante et n'a pas l'air national. Lorsque un homme fait quelque chose de bien, yo applaudit. Lorsque son bagage mal, yo dit c'est faute madame là. Il faut qu'on arrête là. D'accord? Non, pas les gens qui ou comme responsable directement, madame Calbenet Duval. Pas les gens qui ont responsable. Mais la question c'est, est-ce que bon, un crime qui t'est fait comme si tu étais au courant, qui t'est fait mal après? Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, il y a eu avant de partir, je vous ai dit, ce petit garçon qui est mort, mais c'était petit, on militaire, qu'il a le tué. Mais c'est pas que ça n'a pas sorti de l'entourage Jean-Claude. C'est un complot bien monté, et puis après ça, il dit c'est le président qui fait tirer sous lit. Mais c'est pas le fils d'un militaire. Alors de quoi on parle là? On va jamais avoir problème avec mon go naïve. Et si vous auriez à occuper une place comme... Je n'ai pas occupé une place. J'ai été première dame de ce pays, Wendy. J'ai servi mon pays avec honneur aux côtés de mon président. C'est fini. Maintenant, je peux servir mon pays différemment. Bon. En tout cas, Madame Michel... Vous savez, Wendy, c'est peut-être mieux de vous concentrer sur ce qui se passe depuis 31 ans que sur Jean-Claude Duvalier. C'est important. Parce qu'on ne peut pas retirer l'histoire, jeune homme. Mais l'histoire peut nous servir pour aller vers l'avant. Ah, naturellement. Exactement. Ça peut passer, madame Michel Bellet Duvalier, c'est que vous dites dans l'émission India à soi que Jean-Claude Duvalier, il t'a déposé, elle qui t'a pouvoir, il déposé 5 millions et en Suisse, etc. Quand plus le monde qui dit, qui va dire, quoi, côté elle t'a déposé. Je n'ai pas dit qu'il a déposé. Rapidement. Je dis que la Suisse a mis une saisie sur ce compte. Mais je n'ai pas dit qu'il a déposé, il y a une nuance. Il y a une nuance, mais s'il n'a pas déposé, comme l'a déposé quand même. De certaines choses que je n'étais pas au courant, puisque j'ai divorcé de Jean-Claude Duvalier depuis 1993, jeune homme. Ça ne peut pas passer, c'est que... Je ne pas oublier ça, me va le dire. Vous, l'histoire qui a servi pour aller vers l'avant. Si 5 millions ça a été déposé en Suisse, un numéro. Mais ça me ferait plaisir, hein. Ça me ferait plaisir, madame. Et oui, même surtout parler que comme si on déguise dans le temps de ça là, et puis me dit tête, bon, vu que Jean-Claude déguise 5 millions en Suisse, etc., donc moi-même tout, là, m'a quitté pays, m'a qu'avant l'autre, m'a qu'avant 1 million, etc., etc. Ça a vraiment. Je vais me concentrer sur Jean-Claude Duvalier et 6 millions de dollars qui bloquaient en Suisse, que la Suisse est prête à rendre à Haïti. Concentrez-vous plutôt sur le dossier Petro-Caribé, parce que petit, on pourra le payer là. Petit, mais on pourra le payer là. Peuple haïtien déjà à payer là. Ok? Concentrez-vous sur ça. Parce qu'il y a peut-être toute bagaille pour ne pas arriver là en quel procès. Ok. Bon, deux questions de madame Michel Bellet. Il n'y a pas que 15 personnes seulement qui involvent le dossier ça. On me fout la paix. Exactement, mais c'est ça, Mabdou, que la corruption est institutionnalisée en Haïti et elle est partout. Partout. Okay. Alors que vous m'avez oreille, moi, que vous parlez devant Portio, au lieu de venir embêter moi-même. Ok, très bien. On a pas important. On a pas important. On va mettre les sous 48-43-03-02. Hein. Juste une seule question pour madame Michel Bellet Duvalier, si toutefois l'État avait accepté. Vous voulez que je raccroche? Non, pas du tout. Madame.
Mais finalement, je ne veux pas avoir de discussion avec vos auditeurs. Très bien, bon, ok, pas de problème, c'est pas de problème. Je voulais intervenir sur la manche d'hier. Mm-hmm. Il n'est pas question que je fasse un talk show. C'est pas mon truc. Sinon, je ne vous appelle plus. Très bien. Bon, Madame Michèle Bénet Duvalier, franchement, je réponds à toutes vos questions. Maintenant, je vais raccrocher. Et bon, un dernier mot pour tout le monde qui t'attend, madame. Un dernier mot, à quel sujet, Wendy? Un dernier mot de tout ça que nous dit là. Mais je vous ai dit, il faut laisser le peuple à ses croyances. Même gens, peuplant, sorti hier pour la prière, pour le vénérer, pour le rendre hommage à la Vierge, pas inquiète, Wendy. Peuple a fait marche silencieuse, tout, même gens, pour demander vagabond. Qui l'ont pouvoir, yo, messieurs dans le Sénat, yo, yo, tout le monde pétro-caribé, yo, pour rendre compte, pour demander justice. Merci madame, c'est un plaisir pour nous te recevoir. En vérité, nous espérons. Nous n'avons pas d'eau potable, nous n'avons pas d'électricité, le peuple n'a pas mangé à sa faim, ou bien zinglé d'eau, ou bien gang capture moun, c'est pas normal. Pas de l'hôpital, y'a pas d'ambulance, là y'a arrivé l'hôpital. L'autre jour, petit mère Nicolas, à l'ancien hôpital militaire là, l'on tourné, il a crié dans le téléphone là même. Il a crié ça là. Eh bien, tellement l'ancien hôpital militaire là, qui tourne en annexe, l'hôpital général, tellement l'ouest saleté, l'ouest peuple, l'état dans l'hôpital là. Il me le téléphone, il dit, maman, si tu vois l'état de l'hôpital. Il était accompagné quelques sénateurs américains, autorités américaines qui t'ont invité, qui t'ont venu en visite en Haïti. Nicolas dit, maman, j'avais honte. Franchement. Et où est-ce que je n'ai pas écrit sous ça, Wendy? Je n'ai pas écrit sous ça. C'est extrêmement. Je n'ai pas qu'à besoin d'appareil dialysio en panne. Et Martelly fait soi-disant quelques hôpitaux, ils sont vides. Ils n'ont pas d'équipement, ils n'ont pas de docteur. Et là, ils ont des docteurs, trois, quatre docteurs, ils ont des cliniques dans la même zone là, qui sont bien équipés, puis l'hôpital général n'a pas gagné. Alors, peuple, on joue la pleuve, la dit Abraham, c'est assez. Bon, en tout cas, son révolution que franchement. Non, pas parler de révolution, Wendy. Pas pour la violence. La révolution ne veut pas dire violence non plus. Non, Wendy. Non, moi je ne suis contre la violence. Non, madame, révolution, pas mais dit violence. Révolution, tout simplement, qu'à partir de révolution pacifique. Une révolution, Wendy, il faut faire attention. Vous êtes jeune. Mais il y a une façon de dire les choses. Mais de toute façon, à un moment donné, si révolution, violence, à un moment donné, si violence, là, je vous ai fait, il faut qu'il fasse tout. Il a souhaité que non, mais il faut que les hommes politiques écoutent le peuple. Il faut qu'ils soient attentifs. Ok, il faut pas que vous restez dans la voiture blindée, yo, avec boubout, yo, bon côté, yo, montre l'ex en or, yo, dans le bras, yo, ok, yo, pas prend au de la rue, hein. Moi-même, avec Jean-Claude, là, nous t'es dans la rue, tout vite, nous t'es baissé, nous pas même mettre climatiseur. Que c'est en province ou ailleurs. Ouais, de toute façon, nous t'es gagné pouvoir, là, mais nous, militaires, tonton Macout, etc., donc nous t'es confortable, quand même. Messieurs qui en bas, yo gagné pouvoir tout. Même des fans, yo descendent dans la saline, j'aime des qu'on descendent dans la saline. Yo pas capable de faire bagaille ça, yo. D'ailleurs, où elle est en marche, corruption, gagne une calé. Alors, bon, oreilles, moi, pas gagné affaire de pouvoir de ceci. L'homme, on gagne pouvoir, ce soit gagné ou bon, pas gagné. J'entends le populaire, basta. Hein? Personne n'a pas qu'à manger ça. Mais le peuple haïtien va se réveiller un jour. Et me souhaite que c'est bientôt, Wendy. Bon, en tout cas, moi-même, franchement, j'espère ça. Il y en a toujours qui ne vont pas faire la rentrée des classes, hein, Wendy. À toute scolaire, ils n'ont pas fait la rentrée des classes. Hein? Et côté justice, là, j'aurais voulu qu'on ministre pour quitte scolaire, là, alors ministre, là, t'es fait pour quoi? Qui va diable?
Et bien, il a fait comprendre que monsieur lui conseiller là actuellement dans le palais national. On dit que c'est une rumeur. Moi, même pas fonctionner avec rumeur. Je fonctionne avec les faits. Je m'en fous si on dit qu'il est conseiller qui n'est pas contre. Il était président. Que son père a été président, c'est pas héréditaire, que lui, il pense qu'il doit l'être aussi. Il faut le mériter, il faut le vouloir, il faut aimer Haïti, il faut aimer le peuple haïtien. S'il n'est pas parlé, que le reste est côté lié. Madame Michel. Mais le jour, s'il est prêt un jour et qu'il me dit, maman, je veux me lancer dans la politique, je serai là pour lui, pourquoi pas, si mon fils, oui, je serai là pour lui. Madame, personnellement, madame, moi, je n'ai pas d'ambition politique, je vous rassure. Nous prenons le fini. Dernière question. Pendant tant qu'on t'est fait, mon côté Mahou, Jean-Claude Duvalier, et en dedans, Paléa, dans le pays d'Haïti, et bon, dans le jeu tout le monde, c'était un pouvoir autoritaire. Est-ce qu'on a donné un bagage comme si pouvoir ça a été fait pendant qu'on était là, sous gouvernance Mahou, comme si on était satisfait? Ça, c'est le premier acte, qu'on était extrêmement content. Et puis, deuxièmement, est-ce qu'on a, puisque son gouvernement autoritaire, pas. C'est exactement là que je voulais dire. Mais pas grave, qu'à empêcher de dire. Pas parce que je ne parle pas avant, pour ne pas parler, pour ne pas qu'à dire dictature. Comme son gouvernement de dictature que le TIE, autoritaire, etc. Est-ce qu'on a dit nous, non seulement au bail qui te fait plaisir, mais au crime qui t'est fait sous gouvernement ça, qui t'est fait mal et qu'on t'ait dit tout, ou comme si vous t'es soutenu, vous, ou vous qui t'es mouru, ou vous qui t'es tombé à couteau, t'es tiré, ou t'es tué, m'a connu. Wendy, qui t'es fait mal. Wendy, mais pas de président. L'homme mort, il est dame. Je suis président déjà depuis 9 ans. Je n'ai été que première dame. Je ne me témoins en rien. Ou t'es au courant dans certaines séries de bagailles qui t'a passé. Oui, il y a des bagailles qu'on a passé. Il y a de l'eau au courant après. Donc, pendant le mal est déjà fait. Donc, pendant le mal est déjà fait, mais est-ce que. Pour moi. Oui, allez-y, Wendy. Pendant que le mal a été déjà fait, mais est-ce que ça. Ou pas du tout, si vous êtes comme ça, vous n'avez pas évité. Je suis une mère de famille. Tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de ce monsieur qui a été tué aux États-Unis. Je crois qu'il est haïtien. Mm-hmm. Mais ça m'a fait de la peine. On peut comprendre ça. La mort de quelqu'un. Ça veut dire, d'après son dîme là, bon, c'est le crime qui était fait pendant qu'on était première dame, que franchement, qui fait mal. C'est une question que vous posez. Wendy, quel que soit le monde qui mourir, ça fait la peine. Très bien. Ok. Donc, alors, s'il y a eu des bavures sous le gouvernement de Jean-Claude, je le regrette sincèrement. Pourquoi vous mettez le si, Madame Binette, le si? Mais pourquoi si je ne peux pas mettre le si sous ma jambe et moi-même? Mais on t'est informé. Non, Wendy, arrêtez que me t'es informé, ça me t'est, c'est Madame Président, me t'est. Jean-Claude Duval était au pouvoir depuis 9 ans, l'homme palette. C'est pas pour nous attribuer de pouvoir que je ne peux pas gagner. Mais est-ce que vous ne pouvez pas gagner? Alors, insister toujours. Non, c'est pour question d'insister. N'a pas cherché qu'on puisse en avoir aller. Est-ce que vous ne pouvez pas gagner certaines. Parce que Yodim, pas de confette, mais Yodim, qui ont été très puissantes et n'a pas les nationales. Lorsqu'un homme fait quelque chose de bien, il applaudit. Lorsqu'ils font bagaille mal, il dit c'est faute, madame. Là. Il faut qu'on arrête là. D'accord? Non, pas les gens qui ou comme responsable directement, madame Michel Benatouval. Pas les gens qui ou responsable. Mais la question c'est, est-ce que bon, un crime qui t'est fait comme si tu étais au courant, qui t'est fait mal après. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Par exemple, il y a eu avant de partir, je vous ai dit, ce petit garçon qui est mort, mais c'était petit au militaire, qu'il a le tué. Mais c'est pas que, ça n'a pas de sortie de l'entourage Jean-Claude. C'est un complot bien monté, et puis après ça, il a dit, c'est le président qui fait tirer son lit. Mais c'était le fils d'un militaire, alors de quoi on parle là? Nous n'avons jamais de problème avec mon go naïve. Et si vous auriez occupé une place comme... Je n'ai pas occupé une place. J'ai été première dame de ce pays, Wendy. J'ai servi mon pays avec honneur aux côtés de mon président. C'est fini. Maintenant, je peux servir mon pays différemment. Bon. En tout cas, Madame Michel... Vous savez, Wendy... C'est peut-être mieux de vous concentrer sur ce qui se passe depuis 31 ans que sur Jean-Claude Duvalier. C'est important. Parce qu'on ne peut pas retirer à l'histoire, jeune homme. Mais l'histoire peut nous servir pour aller vers l'avant. Ah, naturellement. Exactement. C'est... Parce que ça t'a passé là. Mais on t'est informé. Non, ah, Wendy, arrêtez que me t'es informé, ça me t'est, c'est madame président, me t'est. Jean-Claude Duval était au pouvoir depuis 9 ans, l'homme paraît. C'est pas pour nous attribuer de pouvoir que me pas de gagner. Mais est-ce que vous pas de gagner? Ah, mais insistez toujours. Non, c'est pour question de insister. N'a pas cherché qu'on puisse en avoir allé. Est-ce que vous pas de gagner certaines. Parce que Yodim, pas de confette, mais Yodim, qui ont été très puissantes et n'a pas les nationales. Lorsqu'un homme fait quelque chose de bien, il applaudit. Lorsqu'on fait un bagage mal, il dit c'est faute, madame. Là. Il faut qu'on arrête là. D'accord? Non, pas les gens qui ont comme responsable directement, madame Michel Benatouval. Pas les gens qui ont responsable. Mais la question, c'est, est-ce que bon, un crime qui t'est fait, comme si t'es au courant, qui t'est fait mal après. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Par exemple, il y a eu avant de partir, je vous ai dit, ce petit garçon qui est mort, mais c'était petit au militaire, qu'il a le tué. Mais c'est pas que, ça n'a pas de sortie de l'entourage Jean-Claude. C'est un complot bien monté, et puis après ça, il a dit, c'est le président qui fait tirer son lit. Mais c'était le fils d'un militaire, alors de quoi on parle là? Nous n'avons jamais de problème avec mon go naïve. Et si vous auriez occupé une place comme... Je n'ai pas occupé une place. J'ai été première dame de ce pays, Wendy. J'ai servi mon pays avec honneur aux côtés de mon président. C'est fini. Maintenant, je peux servir mon pays différemment. Bon. En tout cas, Madame Michel... Vous savez, Wendy... C'est peut-être mieux de vous concentrer sur ce qui se passe depuis 31 ans que sur Jean-Claude Duvalier. C'est important. Parce qu'on ne peut pas retirer à l'histoire, jeune homme. Mais l'histoire peut nous servir pour aller vers l'avant. Ah, naturellement. Exactement. Parce que ça peut passer, madame Michel Bennet Duvalier, c'est que on dit dans l'émission India à soi que Jean-Claude Duvalier, il déposait 5 millions et en Suisse, etc. Il y a plus de monde qui dit qu'il a déposé. Je n'ai pas dit qu'il a déposé. Rapidement. J'ai dit que la Suisse a mis une saisie sur ce compte. Mais je n'ai pas dit qu'il a déposé, il y a une nuance. Il y a une nuance, mais s'il n'a pas déposé, comme l'a été déposé quand même. Ah, bon, très bien. Vous avez dans le détail de Saint-Nicolas, à l'ancien hôpital militaire, là, l'entourné, il a crié dans le téléphone là avec moi. Il a crié, ça le... Eh bien, tellement l'ancien hôpital militaire, là, qui tourne en annexe, l'hôpital général, tellement l'ouest saleté, l'ouest peuple, l'état, dans l'hôpital, là. Dirait, le téléphone, lui dit, maman, si tu vois l'état de l'hôpital. Il était accompagné, quelques sénateurs américains, autorités américaines, qui t'ai invité, lui, qui t'ai venu en visite en Haïti. Nicolas dit, maman, j'avais honte. Franchement.
Et où n'aime pas écrit sous ça, Wendy. N'aime pas écrit sous ça. C'est n'aime pas besoin d'appareil dialysio en panne. Martelly fait soi-disant quelques hôpital, yo vide, yo pas de équipement, yo pas de docteur. Et là, yo gen docteur, trois quatre docteurs, yo gen clinique la même zone là, qui bien équipé, puis l'hôpital général pas de rien. Alors, peuple un jour la pleuve, l'a dit Abraham, c'est assez. Bon, en tout cas, son révolution que franchement. Non, on ne va pas parler de révolution, Wendy. On ne va pas pour la violence. La révolution ne veut pas dire violence non plus. Non, Wendy. Non, moi je ne suis contre la violence. Non, madame, révolution, pas veut dire violence. Révolution, tout simplement, qu'à partir de révolution pacifique. Non, révolution, Wendy, il faut faire attention. Vous êtes jeune, mais il y a une façon de dire les choses. Mais de toute façon, à un moment donné, si révolution violence, supposée faite, il faut qu'il fasse tout. Nous t'as souhaité que non, mais il faut que les hommes politiques écoutent le peuple. Il faut qu'ils soient attentifs, ok? Il ne faut pas théoriser l'envoi, si blindé yo, avec boubout yo, bon côté yo, montre l'ex en or, yo l'embra yo, ok, yo pas pren haut de la oui. Hein. Moi même avec Jean-Claude, là, nous te dans la oui, tout vite nous te baissé, nous pas même mettre climatiseur. Que c'est en province ou ailleurs. Ouais, de toute façon, nous te gagne pouvoir, non, mais nous, militaires, tonton Macoute, etc., donc nous te confortable, voilà. Quand même. Messieurs qui en bas, yo gagne pouvoir tout. Même des fans, yo descendent dans la saline, j'aime des qu'on descend dans la saline. Yo pas capable de faire bagay ça, yo. D'ailleurs, où est l'île en bas, corruption, gagne yon yon calé. Alors, bon, oreilles, moi, pas gagne affaire de pouvoir de ceci. L'homme ou gagne pouvoir, ce soit gagne ou bon, pas gagne. J'entends le populaire, basta. Hein? Personne n'a pas qu'à bonne ville ça.